Donc ça, c'est sa disponibilité présentée là, une pensée, qui est valide comme document, tout de suite renouvelé. Bien sûr, le diège continue à suivre sa bande, ce qui nous vient après, pour que les gars en cours nous manifestions et que vous répondez pas pour ça. Donc, on repasse. On passe où ça et la parole pour... Un point qui va dire, moi, personnellement, en tant que de la profession qui m'a exercé, on intéresse avec le healthcare système. Quand, dans mon vis, il y a un manquement de paramédics et qu'il y a beaucoup docteurs qui viennent à travail. Et moi, je me dis, nous capables de servir sa situation-là à l'avantage du peuple. Nous visons un système healthcare, docteur qui a dans l'emergency, à guider un patient au plus vite possible, sans qu'il ait un contraint l'horaire. Le besoin augmente nos quantités d'ambulances dans le pays. Parce qu'il y en a beaucoup de fois qui y en a un accident, par exemple, c'est Bandimou Témo, faute de perte de sang, au lieu de sa accident la même. Alors, si un paramédic ou bien un docteur ou bien une ambulance il arrive là-bas en temps et lieu, il vous sauve la vie du monde dans un accident. Pour moi, personnellement, vous constatez qu'il y a beaucoup de monde qui perdent la vie dans un accident, la cause, l'ambulance par contre là-bas dans l'air. Mais seulement, étant nous guettes au niveau national, il y a beaucoup de monde qui perdent la vie avec. Un problème cardiaque qui, si comme dit, nous avons un docteur qui est là-bas, sur place, quand il y a un son cardiaque arrête, alors ça nous pour soulever beaucoup de problèmes du monde que je ne peux pas nécessairement perdre là. Alors, moi, je pense que ça est un gros plus pour la société mauricienne. Maintenant, si vous avez une question, ou bien. Au fait, moi, il y a un dernier point pour ajouter concernant finances qui est là et là, et comment on va servir ça, comment on va faire ce pays. Et dès que l'Iberval, si l'Iberval est au gouvernement lui-même, nous pouvons mettre un travail le dit pour que dès que ça va être ça va aller, est-ce que ça va être un projet qui peut être là, utiliser un pays qui est à l'encontre besoin de la population. Et vous pensez qu'il y a un important qui nous a recherché le financement de l'État. C'est un des 20 termes qui nous faut appliquer dès que nous voulons dans le gouvernement si possible. Merci et je passe la parole à merci. Il y en a encore pas d'accord. Merci pour votre présence. Et là, troisième groupe, les Libéraux nous présentent ce 10 points élémentaires. Et aussitôt pour le grand gouvernement qui ne peut appliquer pas le travail là, même si nous n'avons pas de si rentre, si il n'y a pas de gêne en rien, il faut qu'il commence ici. Donc, c'est pas dans un bord, c'est une bonne vision et qui nous mène. Et là, moi, je trouve absolument un nouveau politique qui est une évolution entre les débats qui se fait avec un programme. Quand nous faisons un programme, nous trouvons que c'est vraiment un peu plein fil. Bien fait, quelque part, il y a beaucoup de choses que je vais dire, avec moi, un homme qui dit sans jeu, nous changeons de la vie. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore changé. Nous devons trouver un nouveau pareil, nous devons nous piquer. Et malheureusement, nous devons venir avec un point de mesure qui veut dire 60 000 emplois qui nous créent. Et nous devons trouver jour en jour, il y a un jeune qui vient à l'école, qui est dans le chômage, son marge peut augmenter. La situation finale, c'est que je vais retenir, je vais couillonner les peuples qui me suivent après de moi, les peuples. Mais le point de stratégie pour faire les changements nécessaires d'un pays, aujourd'hui, on est nourrice, nous trouvons un gaspillage qui peut faire à fond, qui jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons pas connaître comment maintenant je vais gaspiller, quelles ressources je vais prendre, je vais endetter le pays, puis je vais venir avec des projets pétroliers, avec code d'identité, plus là. Tout récemment, je vais venir avec cette dépense que je vais faire. Si jamais je vais prendre gouvernement, vous êtes un président qui prend une élection, prend en haut comme milieu de dépenser. Et ensuite, avec une élection partielle, ça, c'est une dépense vraiment exagérée. Normalement, nous, en tant que libéraux,
à nous dire que chaque décision qu'il nous fait prendre, si elle est aussi concerne la population, nous avons un référendum. Nous ne pouvons pas prendre une décision juste pour des gens qui décident quelque chose et ensuite nous trouver une quelque chose qui est vraiment lourde qui va dérouler. Un référendum nous a aussi la prime à la meilleure des peuples, qui se fait voter, qui se fait viser, qui nous capable au moins que ce pays-là brûle d'après chaque ministère. Pareil, pour une guerre des corps d'identité, qui va faire un référendum, nous trouver un point meilleur qui finalement leur vie, que l'on a pas de quelque chose qui est remonté, qui va finir les peuples. Nous va pouvoir le et le pièce qu'on gère là. Et ensuite, vous pouvez là, libérer avec le système métro. Le système métro, on peut libérer un grand gaspillage des fonds publics qui libèrent, surtout de 30 millions, comme nous pouvons dire là, actuellement, peut-être des gabus de 30 millions, des gabus précis. Mais nous pouvons comprendre exactement ce vrai budget, combien de rapports de la caisse et combien la caisse d'État vous êtes dépensé dans ce sujet. Et le catastrophique de ce projet-là, qui va une personne vraiment, combien de monde perd de la chômage, par exemple, de la Mansofer 10, et la Mansofer qui peut faire à la ligne là, pour que ça prenne un travail, pour que ça, enfin, pour qu'il mouille comme ça. Puis elle a beaucoup de mangeants comme bilan, et de mangeants qui déshabitent dans la région arabe d'Arabe, bas en Brésil, et la Mansofer place en cours, comme à Carbone, et la Mansofer qui peut travailler. Tout ça là que vous avez dit, je ne pas connu si ça projet là venu. Combien de gens qui ont perdu le travail et combien de gens qui ont perdu la case dans un projet métrologique. Et là, nous, vous avez dit, nous avons un projet plus meilleur que nous ferons bientôt, étape par étape, pour nous vous montrer qu'il vraiment qu'il y a une vision pour le pays. Les visions, les gars, mais ils appliquent le système, ça qui ils ont fait pour le peuple. Le peuple a besoin de se réécouter, c'est ça qui le peuple qui veut ça. Et merci. Au fait, il y a environ 27 institutions dans Maurice, mais on est capable de dire presque tout pas fait fonctionner. Si nous pouvons amener un complaint department, un complaint situation, c'est parce que dans Maurice, il y a un manquement. Et ça, c'est un manquement qui pour réassurer tout le Mauricien et nous bénéficier. Toute la population mauricienne. Parce que n'importe quand on va dans une institution où on est maltraité, tout le monde crie en haut, tout le monde traite tout de mauvaise foi, jamais peine à être suivi. La population peut souffrir parce que chaque institution est dans la tête qui vient mettre par le gouvernement. Ça va la tête qui vient mettre par le gouvernement. Là, je tiens une zérance pareil comme la tête du gouvernement là. Alors finalement, ça mal propos qui commençait de la tête du gouvernement, les casquets down, les venir avec les autres petites institutions. Alors, nous trouvons qu'il y a une vraie une situation qui est vraiment importante, qui ben citoyen mauricien et là quelque part pour faire cette complainte et cette complainte bizarre entendre dans une façon bien démocratique et une situation bien indépendante, une personne qui fait une complainte, est capable de faire en anonyme, en même temps, est capable de faire s'il y a envie de mettre ce nom. Alors, il faut un système nouveau et qui vous donne beaucoup l'occasion pour être capable de raconter sur la misère et capable d'adresser sur la misère qu'il est fait subir. Il n'est pas nécessairement l'argent, il n'est pas que nécessairement, il est capable n'importe quoi. Alors, ça, flagrant, est bien important.